Le prince Harry est confronté à la perspective d'un nouveau livre royal qui pourrait remettre en question son récit, a suggéré un commentateur royal. Le duc de Sussex a déjà dénoncé les hommes en costume gris qui travaillent dans les coulisses pour les membres de la famille royale. Mais la journaliste royale respectée Valentine Law a écrit un nouveau livre courtier qu'il a vu parler à un certain nombre d'assistants du palais. Le commentateur royal Richard Eden a déclaré que les courtisans royaux n'avaient pas la confiance de la princesse Diana et son des personnages qui ont vraiment été mis au pilori par Harry et Meghan. Mais Monsieur Eden a suggéré que le livre de Monsieur Law pourrait donner un autre aspect des choses. S'exprimant lors de l'émission Débat Palace Confidential de Mail Plus, Monsieur Eden a déclaré, ils les ont toujours vus comme ce négatif, une force en arrière-plan. Tout leur est toujours reproché. La rédactrice en chef adjointe du Mail on Sunday, Kate Mansey, a ajouté, je pense qu'il y a une légère appréhension, ils aiment être les personnes sans visage dans les coulisses qui tirent les leviers. Point. Harry, qui publie ses propres mémoires révélatrices plus tard cette année, s'en est pris aux courtisans dans son interview avec Oprah Winfrey et celle de Meghan Markle en mars 2021. Le duc a déclaré que deux jours avant d'annoncer leur plan Mexit en janvier 2020, il avait été empêché de rendre visite à la reine après son retour de leur séjour au Canada, Harry a déclaré à l'animateur du talk show américain. Pour ensuite revenir après que ma grand-mère ait dit, au moment où vous atterrissez, venez à Sandringham, nous aimerions discuter, venez prendre le thé. Pourquoi ne restez-vous pas pour le dîner parce que ça va être un long trajet et que tu vas être épuisé. Point, point.